Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays C, la reprise pour cette année 2014. D'ailleurs, une année que je vous souhaite bonne à toutes et à tous. Ce soir, je vous propose pour ouvrir cette saison de découvrir deux artistes, pas un, mais deux artistes, puisqu'ils jouent et ils se produisent en couple. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, mais qui sont maintenant installés à La Réunion. L'un est malgache, l'autre est métropolitaine. Ils viennent dans notre île pour écumer leur musique et la diffuser au plus. Ils ont déjà plusieurs réalisations à leur actif. Ils s'appellent Mamizo et Meva. C'est dans votre émission de musique locale Couleur Pays que nous allons les découvrir. Couleur Pays avec Eric. Mamizo et Meva, ils sont fraîchement arrivés dans notre île. On va les découvrir sans plus tarder. Bonsoir. Bonsoir. On est très content de vous accueillir. Alors, c'est un long périple de venir. Pas si long que ça aujourd'hui, puisqu'on a l'avion maintenant. Mais à l'époque, c'était très long de venir dans notre île. Mais l'océan Indien, vous connaissez déjà bien, puisque Mamizo, tu es malgache. On va ouvrir avec toi. Présentation un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à la musique avant de découvrir ce que vous faites réellement. Je suis né dans la musique. Vous savez... Le peuple malgache, c'est leur nourriture spirituelle de la vie, c'est la musique et la danse. Et moi, j'ai commencé la musique avec mon père à l'âge de 6 ans. J'ai commencé à chanter à la maison, après à l'église, et jouer, regarder mon père en train de jouer la guitare, en racontant les contes. Beaucoup de contes malgaches. Donc, je me suis baigné là-dedans, en fait, dans la musique et la danse. Et avant 1995, j'avais plusieurs groupes du collège, du lycée et tout ça. Et j'ai fait mon premier album, 95 décembre, mon premier cassette. Cassette. À l'époque, oui. À l'époque, il n'y a pas le CD, mais le cassette. Après ça, on a monté un groupe qui s'appelle Sengue. Et quelques années plus tard, le groupe a eu le lauréat découverte RFI 99. Tu étais lauréat de RFI. D'accord, le concours RFI, qui est un concours très connu, très prisé, que les gens aiment bien. Et derrière, en général, il y a pas mal de dates, de concerts, de spectacles à travers la France. Voilà, et le groupe a eu ce prix-là. Donc, ça nous permet d'aller trôner un peu dans le monde entier. Oui. Et c'est le but de ce concours, d'ailleurs. Voilà. Et après, en 2009, j'ai travaillé, j'ai rencontré mademoiselle Meva. En métropole au moment où tu bougeais pas mal. Non, on s'est rencontrés à Mayotte. D'accord. Yeah. Et après, on a décidé de travailler ensemble et on a monté le duo. Et qui est, qu'on propose notre menu musical actuellement. Un duo qui a démarré, enfin en partie, en métropole et à Lyon. Voilà, mm-hmm. À Lyon exactement. D'accord. Voilà. De Mayotte à Lyon, et puis Lyon, vous êtes arrivé ici. Oui, on était à Lyon, voilà. Et maintenant, on est arrivé à l'île de La Réunion. Voilà. Alors ça, c'était juste pour donner un peu le parcours. Moi, ce que je retiens, c'est que tu es né dans une famille de musiciens. Ton père était, c'est pas ce qu'on pourrait dire un griot, mais on n'est pas loin. C'est quelqu'un qui racontait dans les villages des histoires à travers les chansons et qui jouait beaucoup. Il était instituteur, mais voilà, la musique. D'accord. Par la musique aussi, ouais. Ça lui a permis de communiquer. Donc, c'était un homme public, un instituteur, donc quelqu'un d'important dans le village où tu étais, j'imagine. Ouais, je... Et donc, tu as toujours baigné dans la musique. Très bien. Et puis, tu rencontres donc Meva, elle qui est en métropole, mais vous vous rencontrez à Mayotte. Alors, l'histoire jusqu'à Mayotte, c'est quoi? En fait, j'étais à Mayotte quand on s'est rencontrés. Moi, mais ce qui m'intéresse, c'est déjà avant. Ouais. Et avant ça, moi, je suis née à Lyon et je suis rentrée dans la musique aussi avec mon père qui jouait du piano et qui chantait. Et on a énormément chanté, mon père et moi. Puis j'ai chanté avec des amis. En public, tu veux dire? En public, familial, en famille, et amical, ouais. Essentiellement. Mmh. Et puis dans le milieu associatif, dans le cadre d'événements. Vous chantiez quoi avec ton papa? Beaucoup de chansons françaises. La chanson, donc Ferré, oui, des reprises de voilà. Pas mal Brassens, d'époque. Ce genre de choses. Voilà, ça, mais pas... Pas seulement. Pas que la chanson française classe, on va dire, mais tout ce qui passe. Brassens, c'est une chanson, c'est pas classe. Hein. Classe dans le sens où il y a une grande reconnaissance, oui, au niveau des textes. Bien sûr.
Bah, la chanson française, c'est comme des textes. Hein. Aussi des choses anglophones, d'ailleurs. Hein. Oui. Comme quoi? Comme... Grim All White. Non, pas spécialement, mais Buffy St. Mary, c'est pas très connu, c'est canadien. D'accord. C'était un de nos grands tubes. Mais oui, assez éclectique, en fait. C'était plutôt folk song ou plutôt... Mais plutôt, voilà, dans cet esprit-là. Oui, d'accord. D'ailleurs, on le ressent, on le comprend quand on vous écoute après, hein, qu'il y a quand même une forte influence folk song et musique très acoustique quand même. Il n'y a pas beaucoup d'électricité dans ce que vous faites. Et c'est peut-être bien comme ça. En tous les cas, donc c'est papa qui t'initie à la musique, lui-même musicien. Donc, et puis à un moment, tu arrives à Mayotte, on ne sait pas comment. Là, c'est une longue histoire. Déjà, moi, j'ai eu une carrière complètement pas musicale au départ. J'ai fait des études de sociologie, j'ai été dans l'enseignement, j'ai beaucoup travaillé dans la recherche et dans le milieu social. Et j'ai rencontré vraiment la musique professionnelle à Mayotte. D'accord, c'est pas l'endroit le plus adéquat. Oui, d'accord. Non, c'est un hasard total de la vie. Parce que la professionnalisation de la musique à Mayotte, c'est un chapitre. Oui, quand je dis professionnel, ça va pas être des gens qui font des tournées dans le monde entier, etc. Non. Mais c'est... monter sur des grandes scènes, faire des... D'accord, goûter à la scène, en fait. Et rentrer dans des groupes. D'accord. Parce qu'en fait, avant, moi, c'était plutôt individuel, la musique. Oui, il y avait papa. C'était plutôt moi et ma guitare dans ma chambre, ou moi et mon papa, ou moi et mes copains. C'était un divertissement. Voilà. Un loisir. Et là, c'était vraiment préparer un répertoire, travailler sur de longs mois, et faire des concerts. Et ça m'a beaucoup plu. D'accord. D'où le fait que, quand tu rencontres Mamizou, du coup, vous vous dites, si on faisait quelque chose ensemble. Ouais, c'est ça. En fait, au départ, lui, il organisait des concerts à Mayotte pendant son passage et il cherchait des collaborateurs sur place puisqu'il lui venait seul et puis il cherchait des musiciens sur place, etc. Donc, j'ai fait ses chœurs. D'accord, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Après, j'ai fait agent artistique, c'est moi qui organisais les tournées à Mayotte. Et après, voilà, je suis rentrée sur Lyon. Et lui était à Lyon, moi ma famille aussi, donc ça c'était un hasard aussi. Ah, vous êtes rentrés à Lyon tous les deux, mais de façon... Lui il y était déjà. D'accord. J'y habitais là-bas. Il habitait à Lyon, et moi ma famille était de Lyon. Et on s'est dit, on va faire ce duo à Lyon. Voilà. Ah oui, c'était la meilleure ville pour ça. Là c'était le meilleur endroit, à ce moment-là. Voilà, et donc le duo est né. Il a un nom le duo ou c'est juste Mamizou et Meva? Mamsou et Meva. Mamsou, on dit Mamsou, hein? Ouais. Mamsou. Ah, mais tu peux le dire, hein, Mamsou. Mamizou, hein. Ouais. Bon, chacun dit comme il veut. Et les Malgaches disent Meva aussi. Meva. Pas Meva. C'est un prénom, c'est ton vrai prénom, c'est un prénom de scène. C'est un prénom de scène, de scène. Et qui est aussi un prénom dans la vie. Aussi à Madagascar, on m'appelle beaucoup comme ça et pas mal de gens m'appellent. L'identification, c'est comme ça, Meva. C'est une sorte de traduction fantaisiste de mon prénom. Très bien. Eh bien, en guise de fantaisie, je vous propose un divertissement, c'est-à-dire les écouter sur scène au cours d'une vidéo qu'ils ont réalisée pour vous donner un aperçu de leur musique. On en parle juste après dans votre émission de musique locale Couleur Pays.